Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Comment nous traversons cette nuit-là même? Nous croyons avec Jésus, nous traversons le bien, pas une bonne, pas une mauvaise nouvelle de nous. Ah non, courir les quelques versets, non. Nous l'avons dit, nous sommes à tous les 20 à 34. Ésaïe. Chapitre 10, versets 20 à 34. Nous pourrions lire ensemble. En ce temps-là, en ce jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle sera débordée, la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas la Syrie. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera, puis la colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agira le fouet contre lui. Comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, et il l'élèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et ton joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Il marche sur Aja, traverse Migron, laisse ses bagages à Michmash, il passe le défilé, il couche à Guéba. Rama tremble. Gibéa de Saül prend la fuite. Fais éclater ta voix, fille de Galim. Prends garde, Laïs. Malheur à toi, Anatof. Madména se disperse. Les habitants de Gébim sont en fuite. Encore un jour de halte à Nob et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion. La colline de Jérusalem, voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt et les limes tombent sous le puissant. Eh bien, bien-aimés, nous en face, c'est toujours prophétie qu'a fait contre Israël, parce que bel empire, c'est toujours prophétie qu'a fait contre lui. Ça nous parle focus sur le 1 et 22, et au pèse et répéter, reste la même 4 fois. On va regarder encore. Chapitre 10, Ésaïe, verset 20, 21, 22. L'Éternel pèse sur le reste là. On se chaud là. Souligner l'ambiboua, le reste d'Israël. Il est réchappé de la maison de Jacob, cessant de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Verset 21. Le reste reviendra. Le reste, ça fait 3 fois. De Jacob au Dieu puissant. Verset 22. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste
seulement reviendra. La destruction est résolue, elle sera débordée, la justice. Le mot reste répété seulement là, verset 20 à 22, quatre fois. Reste. Et c'est ça, n'a pour matin. C'est une question de reste. Pourquoi ça l'Éternel met des questions sur reste? Parce que son peuple rebelle, son peuple qui réellement pas attendait les bons dieux parler. Son petit point. Et le mot reste, il existait depuis dans l'Antiquité. Peut-être nous pas payer attention. Nous pas prêter attention à reste là. Parce que depuis le monde des mondes, c'est une question de reste. Si tu as monté l'Antiquité, rivé sous temps Noé. Rivé sous temps Noé. Son petit reste qui sauvé. Dans tout temps Noé, toute la terre détruite. La terre habitable en parlant. Tout détruit, c'est celle Noé avec famille, huit mondes qui sauvé dans le monde. Ça, c'est un petit reste. Le mot restait toujours là, nous pas de payer attention à lui-même. En jambé dans Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, une grosse ville comme ça là. C'est l'eau avec des petites filles seulement qui passent sur yon nous li, yon nous pas payer. Dans salut, son petit reste qu'a sauvé. Jésus fait connaître que Jésus paraît pour dire, mes amis, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ont toujours un petit reste. Mais là, on parle des restes, pas penser aux restes des 3-4, non? Mais par rapport à valeur monde qui sur la terre, par rapport à valeur monde qui mourit déjà, à combien de billions de monde qui mourit déjà, par rapport à ça qui est sous terre, t'as besoin, pour depuis l'évangile a prêché depuis à travers Adam. Tout le monde a dû sauver, mais par rapport à ça qui a sauvé, comparé là, on reste. Mais ça va veut dire restation 3, 4, 5, 6, 7, non? T'as voulu comprendre le mot reste. Quand Dieu jugera Israël, un reste qui lui est fidèle sera préservé et restauré. Un reste, mais pas un reste là, pas n'importe quoi, un reste qui est fidèle. Si vous n'êtes pas fidèle, vous n'avez pas besoin de contrôler le reste. Nous chantons cantique là, les vous comptez le monde qui est pour Jésus, comptez là dedans. Pas chanter parce que vous chantez cantique là, vous connaissez ça quoi faire, non? Faut fidèle à Jésus. Le monde qui compose le chanter, elle dit, les vous comptez le monde qui est pour Jésus, comptez là dedans. Ça veut dire lui-même, les fidèles à Jésus. Puis vous chantez, vous pensez parce que vous chantez là dedans. Non, ah ah. Le reste, il répétait, non seulement répété dans l'Ancien Testament, l'Éternel continue à répéter reste là, dans le Nouveau Testament. Il continue à répéter reste là, dans le Nouveau Testament. On allait dans Romains, on allait dans Romains pour eux. Romains chapitre. On allait dans Romains chapitre 4. L'Éternel tourne et continue à répéter reste. Parce qu'il connaît l'homme même, il gagne ensemble, rébellion. La rébellion, c'est l'ensemble l'homme même lui donné. C'est ça que fait l'Éternel parler des restes. Romains 4, verset 16. Dans Romains 4, verset 16, il dit que c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. En parlant des restes, les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Reste là à parler, hein? La gagne des groupes là-dedans. Reste ça à bien monde qui sauvé sous la loi. Et reste ça à bien monde qui sauvé sous la grâce. Mais il dit ça dans le texte là. André lit encore pour nous comprendre. André lit encore pour nous. Peut-être nous avons couru sous lui. André lit encore. Romains chapitre 4,
verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour ce que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, à souligner, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Là, le reste est à parler en question de ni monde qui est sous la loi, ni monde qui est sous la grâce. Il y a fait partie de reste là. La même Romain, il continue à frapper la même Romain encore. Romain chapitre 9, verset 27. Romain 9, verset 27, on voit qui ça le dit. Il est toujours pesé sur reste là, oui. Romain 9, verset 27. Il dit que Esaïe, parce que Esaïe était qui t'a prophétisé, apôtre Paul répétait, Romain 9, 27. Esaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Un reste, et pas tout. Et pas tout. Cap sauvé. Là, on parle des restes d'Israël, dans ça qui rentre dans la foi. Comme nous, on y a là, en pile là, il y a des juifs, les chrétiens aux États-Unis. On a recevoir l'étude des juifs chrétiens. Oui, il y a des juifs chrétiens, il y a l'église chrétienne. On dit qu'on y a, on ne peut pas aller, non, en Israël, il y a l'église chrétienne. Yo retire quoi on a la loi, yo retire quoi la question, yo parle de Jésus, y a venu parce que prophétie y a pas qu'à faire pour grand messie. Eh bien, sans question de reste, na Romain apôtre Paul a frappé. Romain chapitre 11 verset 5. Romain 11 verset 5. Apôtre Paul continue avec le mot reste. Ah, verset 5. Il dit, de même, Romains 11, verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Il t'a parlé dans le temps passé, qu'on y a, apôtre Paul précise, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Bon, il reste. Même Jean ouais, le monde pour aller de mal en pire, ou pas besoin de père, bon, il reste. Bon, il groupe qui fait rôle, yo, quand même. On t'y reste. On t'y goût. Même là où en pile l'église ta tête en bas, il y a un bagay abdi sous pasteur yo qui pari, elle s'est inventé, inventé yo pour humilier. Mais il y a un cruel, mes amis. On nous sait rien. Il y a un cruel. Eh bien, l'apôtre Paul dit dans Romains 11, verset 5, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. N'a pas les deux mots élection. Moi-même, quand on a une religion qui fait qu'on a ces élections, bon Dieu, pas le faire, oui, il a fait élection. Si on ne pose pas candidature, comment il va faire élection? Oui, c'est une élection. Jésus a ouvert une porte de grâce en nous a dit. Il ouvre un poste grâce pour capable poser candidat ou mon pas poser monde qui poser c'est au capable passer dans élection son élection lui pas interpréter mal gars monde qui dit oui monde qui pour sauver déjà choisi monde ça pas comme ça il a dit pas vrai là on parle d'élection et pas parce que monde qui pour sauver qui t'a choisi gars un porte qui ouvert pour poser candidat dans la grâce. Mais on ne peut pas poser candidature, mon cher. On ne peut pas élire. C'est le monde qui mène la campagne qui est élire. On ne peut pas mener la campagne au chita chita ou abdomi. On ne peut pas mener la campagne, mon cher. Là, même la grâce, et pas qu'on soit abrité pour sauver un bac grâce là, mais si on ne peut pas accepter la grâce, comment on va sauver un bac grâce là? Yo kwit on manje, yo dorme manje, manje. Et pas parce qu'au chita, bon tabla, on va prendre sa manger à grand groupe, on va le passer fort manger.
Et pour te dire, bon, même si ta botte à blâme, ma prends ça de manger à gangou, pas passer. Est-ce qu'on mange ou pas manger? Eh bien, la grâce, ou absorber à travers la grâce, c'est si on prend la grâce là. Et pas parce que vous répétez le mot grâce là, bonjour, ou pas le sauver, non. Faut accepter grâce là. Eh bien, en parlant de la grâce, apôtre Paul dit, mon homme, d'après Romains 5, verset 11, il dit au Romains 11, verset 5 plutôt, de même aussi dans le temps présent, en parlant aujourd'hui, dans le temps présent, il y a un reste selon la grâce. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Parce que les Juifs, même ça, parce qu'ils ont compté sur ces Juifs, ils ont déjà sauvé, ils ont déjà bon, et petit Abraham, non, ce n'est pas une question de petit Abraham, c'est une question de grâce. De pour pas rentrer dans la grâce là, pas une question de petit Abraham. Grâce pour entrer dans la grâce. Eh bien, le reste, ça y a parlé là. Et pas n'importe qui qui n'a ça, non. Le reste se compose des gens sérieux. Le reste se compose des gens sérieux. Et pas n'importe qui qui reste là. Parce que Jésus t'a fait déclaration. On parle de trois textes pour nous camper. Là, on parle du reste, pas penser n'importe qui là, parce que où était, ou pas mourir, enlèvement fait, ou l'en reste. C'est pas comme ça reste là. Le reste se compose des gens sérieux. À nous garder Jean, chapitre 1er, verset 45 à 47. Jean. Jean 1er, verset 45 à 47. Ou après, le monde qui l'en reste là, c'est le monde qui est sérieux. Jean 1er, 45 à 47. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, il répondit, viens et vois. Verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Ça veut dire, mon caplan reste là, c'est mon qui parle en faute. Verset 47 l'a expliqué, Jésus, Jean 1er 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Ça, c'est mon cap dans le reste. Mon cap dans le reste, là, c'est mon qui parle en magouille, qui parle en faute. Nous t'aimons le texte là encore. Nous t'aimons comprendre, nous, bien-aimés. Nathanaël, l'été la complexe, là, tout, il ne pouvait pas gagner des bons sorties de Nazareth, mais ça n'a pas empêché qu'ils soient Israélites qui sérieux, qui va gagner faute. Nous. Pour qu'on sait l'homme lié. Mais là, Jésus arrivé sous lui, il dit dans Jean 1er 47, Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Mon cap dans le reste, nous autres les mêmes cinq versets qui parlent de reste, du reste. Mon cap dans le reste là, c'est mon qui parle en faute, qui parle en magouille, qui parle en haut blanc, soulier blanc, chaussette blanc, la tête, les pieds, quel pied noir, quel soulier noir, qui l'empile là. Non, Faut mon ça sans faute, sans bakoulou. Eh bien, à nous, on a le verset d'Apocalypse qui parle des restes. Apocalypse 3, verset 4, 5. Apocalypse 3, on regarde avec nous. Après, texte, ça m'a plu, on l'a. Et puis, on a quitté. Apocalypse 3, verset 4, 5. Cependant, Apocalypse 3, verset 4 et 5. Là, on lit avec nous et puis comprendre le texte. Cependant, tu as Assad,
quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Attendez, verset 4, là, n'a plus de désolé. L'église de Sadla sont l'église Jobol. On prend verset 1er pour qu'on comprenne 4 là. Écrit à l'ange de l'église de Sad, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Son l'église est mourir spirituellement là-dedans. Et puis, dans verset 4 là, Jésus dit, cependant, même là, l'église a son ban mort en vacances qu'il a dans. Jésus dit, cependant, tu as à Sad quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ça, c'est le monde qui a participé dans le reste. Malgré l'église là, son l'église corrompue, malgré son l'église droite et gauche, mais il y a un petit groupe qui fait au lieu. Le monde ça fait partie du reste. Le reste. Et bientôt, le reste se compose des 144 000. Nous connaissons ça, pas vrai? Le reste, ça y a parlé. Elle est composée de 144 000 à le reste. Là. C'est là, dans le bon Dieu, a choisi les 144 000. Mais c'est pas ici, non? Non, 144 000 n'a pas parlé. C'est juif. Mais c'est le juif qui était dans le reste d'Israël. Dans Apocalypse 7, verset 4 et verset 9, verset 4 l'a dit, et j'entendis. Alors, Fontale, verset 3, pour qu'on comprenne 4, là, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. C'est ça, on fait partie du reste. Mais là, reste là, il n'y a pas rien tout. Regardez verset 9 là, vous voyez. Verset 9 là dit que, Apocalypse 7, verset 9, après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blancs et des palmes dans leurs mains. Ça, c'est le monde qui a fait partie du reste. C'est le monde qui a fait partie du reste. Il y a un reste là. 144 000 dans le reste là. Le monde qui n'a pas de faute dans le Nathanaël, il y a un reste là. Le monde qui est en cours des hommes dans l'église Sadla, malgré l'église des corruptions, mais il y a toujours fait au lieu, il y a un reste là. Et les 144 000, il y a un reste là. C'est dans le juif que le monde a choisi. 144 000 nègres sérieux. Pour le servir comme prêtre pour atteindre le reste d'Israël. Il y a un reste là. Eh bien, c'est dans Apocalypse chapitre 10, nous, hein? Dans Esaïe 10, nous t'ayons, capable de répéter le reste depuis le verset 20, 21 à 22, de répéter le reste là 4 à 5 fois. Reste. Nous t'avons expliqué qui ça qui reste là. Le reste, c'est des hommes sérieux. Le reste, c'est des hommes qui n'ont pas de faute. Parce que Jésus, ou Nathanaël, il dit, mon juif qui n'a pas de faute. Il ne va pas faire partie du reste. Et là, nous t'es matin. OK. Que bon Dieu bénisse. On courir saluer les amis nous, avant nous terminer. On va lire, on va prendre chapitre 11. Non? Esaïe 11. Prends Esaïe chapitre 11. On va commencer à garder. Commencez à garder chapitre 11 là pour lundi si Dieu veut. Pendant le week-end, on continue à envoyer jour là-dedans. Pour garder. Merci bien, Abdi. Bon week-end à Saint-Denis. Bonjour, Saint-Denis. Bon week-end. Que bon Dieu réconforte tes cœurs. Bon week-end, c'est Oslo. Bonjour. Bon week-end, c'est Yannick.
Bon week-end. C'est Oana, bon week-end. C'est Caroline Marcellus. Bon week-end, c'est Bélange. Bon week-end, c'est Nathanaël. Bonjour à tous et à toutes. Bon week-end, c'est Fatima. Bon week-end, c'est Mireille. Mireille Macomb. Bon week-end, Jacques Baudouin. Bon week-end, ingénieur Manuel. Bon week-end, tout le monde qui n'a rien, bien qui va regarder, Peter. Bon week-end à ceux qui sont au Brésil, à Chili. Bon week-end à ceux qui sont à Miami, Papa. No. Bon week-end, New Yorkers. Good week-end. Ceux qui Connecticut, Boston. Bon week-end. Bon week-end, Canada, la France. Bon week-end, Naples. Bon week-end, Orlando. Bon week-end, North Carolina. Good week-end, London. Bon week-end, Haïti. Bon week-end, Bahamas. Je souhaite que bon Dieu bénisse nous toutes et que bénisse nous vivants. Dernier moment, quittez-nous. Pas oublier, cherchons l'église qui a une base évangélique pour adorer. Pas adorer dans n'importe où. L'église qui a une base évangélique. Depuis que tu arrives dans le temps de l'ordre, c'est tant qu'on peut bailler pour assurer ça. L'église, diable, pas rentrer là-dedans. Le salut n'est pas achetable. Quel que soit ça, il a mis pour courir avec Jésus pour sauver, pas prendre. Il n'est pas évangélique. À nos prières, bon Dieu. Seigneur, nous nous merci pour ces semaines de faire nous passer. Nous prions pour nous tous qui sommes en ligne, pour ça, au capitaine de cassette, faire partie du reste. Le reste qui a sauvé, petit point, parce qu'on dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, en parlant du reste. Et on souhaite montrer nous là, même les Israël, t'attends qu'on gagne ça, bol en mer, sont reste qui a sauvé. Et pour païen yo, après 144 000 là, voyager, ouais, gagne un groupe innombrable. C'est le reste. Il a toute nation, toute langue, mais aidez-nous pour nous capables en reste, là, Seigneur. Fait que nous capables de marcher avec vous, façon la tempête la sonner pour nous en reste, là. Nous lever toute l'église devant qui va l'adorer pendant le week-end. Nous prions pour ça, aucune tristesse, tant que c'est Denis, la famille Macombe. Nous prions pour appeler l'autre encore, ça a malade en Haïti, qui a pas atteint pas qu'on n'a pas l'hôpital pour y aller, n'a pas de toucher au Seigneur. Faire façon, c'est où tu commences à protéger, ou à protéger. Nous te remercions de ce qu'on a fait ça pour nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Encore et encore, aux amis, bon week-end dans le Seigneur. Bien appelé là où, n'a pas oué, dis-moi si Dieu veut. Pas oublier demain, si Dieu veut, nous sommes sur Radio RNN, Nouvelle Naissance, à Mando, t'as pris. Suivez avec nous, nous sommes sur 1600 AM et 101.1 FM. Vous êtes capable de joindre tout sur www.1600am.com. Il y a un peu de côté capable de venir. Suivez avec nous parce que nous avons une évangélisation à faire à la radio. 7h pour 8h. Ok, merci. Passez bon week-end. Que bon Dieu bénisse nous. C'était frère Jean-Sylvain. Bye bye. See you on Monday.